Bonjour. À la demande de Catherine, voici une autre histoire de Gigi. La chicane. Je n'ose pas me retourner, même que j'ai un peu honte. Eh oui, je me suis chicané et j'ai un œil au beurre noir. Non, ce n'est pas avec Pichou, mon bébé tamanoir mangeur de fourmis pour vrai. Voyons, il est beaucoup trop gentil. Ni avec Sophie, parce qu'avec elle, on joue toujours au conte de fées. Non, avec Sophie, il n'y a jamais de chicane. Ni avec Philippe, on n'a pas le temps. C'est avec lui, Clo-Clo Tremblay, que je me suis chicané. C'est un affreux, un batailleur, même qu'il porte une épée. Ne bouge pas, je vais tout te raconter. J'étais dehors avec Pichou et les oiseaux. Là, Clo-Clo arrive et m'invite à faire un tour avec lui jusqu'au bout de la rue. Tu vois l'école, qu'il me dit? C'est l'école de mon grand frère. Et dimanche prochain, je vais commencer l'école moi aussi. Hein? Que je lui dis? D'abord, ce n'est pas l'école de ton frère. C'est l'école de tout le monde. Puis, t'es un menteur, un ignorant, parce que tu sauras qu'il n'y a jamais d'école le dimanche. Le dimanche, c'est toujours congé. Et quand c'est congé, l'école est toujours, toujours fermée, Clo-Clo Tremblay. Là, il est devenu comme un monstre, un vrai dragon monstre, pire que dans les histoires de sorcières. Avec sa vilaine épée, il a lancé Pichou dans les airs. Tu penses bien que j'allais le défendre, mon pauvre bébé Pichou? On s'est battu un peu terrible, même que je lui ai tordu le menton, tiré les cheveux, mordu l'oreille. Et que c'est comme ça que j'ai eu mon œil au beurre noir. Voilà! Aujourd'hui, Clo-Clo les connaît, ces jours de la semaine. Il sait que le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, tous les enfants vont à l'école. Il sait que le samedi et le dimanche sont des jours de congé et que les écoles sont fermées. Au fond, Clo-Clo Tremblay, c'est pas un ignorant, ni un menteur, même qu'il est encore mon ami. Et je pense que la chicane, ce n'est pas beau, parce que ça fait fuir les oiseaux. Bonne soirée!